بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني أخواتي، مفخاتي السور، أبنائي بناتي، مفي زمي في، أصدقائي صديقاتي، مزمي مزمي، أحفادي حفيداتي، mes petits fils et mes petites filles، أعدائي عدواتي، mes ennemis et mes ennemis، musulmans et musulmanes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel beau pacte, quel bel engagement. Paix, miséricorde et bénédiction et tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore goûté à l'islam, ceux qui n'ont pas encore goûté à la connaissance de l'existence d'Allah, ceux qui n'ont pas encore entamé leur cheminement, je demande à Allah de vous accorder les délices infinies de la guidée islamique. Mais ça va dépendre d'un minimum de travail et d'un minimum de jihad. Ah, il parle de jihad. Jihad, la matière première, la racine, le shem. Jahida, jahada, effort, un effort constant, renouvelable et renouvelé, on continue. C'est ça le jihad. Donc déployez-vous dans un jihad sincère et vous allez retrouver Allah, vous allez vous retrouver, vous allez commencer à être une paix tirée de l'islam pour vous-même, pour vos entourages et pour le monde. Qu'Allah vous guide. J'entre directement dans le vif du sujet. J'essaie de répondre un peu à quelques-uns, tout en m'excusant du retard un peu de ma réponse ou de mon traitement de leur demande, même si je sais qu'ils ont les réponses. C'est juste qu'ils veulent partager leur souffrance, leur vulnérabilité, leurs problèmes avec leur confident, Mustapha. Ça me fait plaisir d'être votre confident. Mais vous avez les réponses, alhamdoulilah. Donc, il est où? Il me dit, le frère, salam alaykum wa rahmatullah, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a intitulé son message « Problème familial ». J'ai gardé le titre tel qu'il est. Je me permets de te contacter car je rencontre un grand problème de couple et familial en général que je n'arrive pas à résoudre. Qu'Allah t'aide à le résoudre. Qu'Allah apaise ton cœur, qu'Allah soulage tes souffrances, qu'Allah te facilite, qu'Allah t'assiste, qu'Allah te préserve du mal sous toutes ses formes. J'ai visionné certaines de tes vidéos YouTube et je pense que tu pourras nous aider, bi'idhnillah. Quel honneur! Quel honneur et quel bonheur! Je l'ai souvent entendu, alhamdulillah, celle-là. Ça me comble de bonheur que quelques-uns me trouvent de confiance et quelques-uns sondent une sincérité en moi et dans ce que j'essaie de faire. Ya Rabbi, laka alhamdu wa shukr. Jazakallahu kulla khair. Toi et moi, on va se rencontrer, inshallah, dans le Firdaus d'A'la et on sera ombragé sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Parce que tu m'aimes en Allah, n'est-ce pas? Et tu sais que je t'aime en Allah, mais tu ne m'as jamais vu. Je t'aime en Allah. J'ai senti ton âme. Nos âmes se sont rencontrées depuis des milliards et des milliards d'années. On ne peut même pas comptabiliser le nombre d'années qui ont quoi? Je suis un bédouin. Je m'exprime mal. Je m'en excuse. C'est pas que je suis un orateur, mais qui s'exprime mal. Donc, j'ai visionné certaines blablabla. Pour résumer notre situation, nous vivons actuellement en France. Quelle chance! Alhamdulillah, quelle grande ni'ma! Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils vivent en France. Ok, pourquoi pas? Trouve-moi une terre où il n'y a pas d'épreuve. Ou trouve-moi une terre où il n'y a pas Allah. Ce type de pays peut être très intéressant pour la da'wah. Très intéressant. En termes d'épreuves, en termes de choses qu'on observe. Très intéressant. Tout ça, c'est très intéressant. Voyez le bien. Il y a beaucoup de bien. Bon, c'est une grande ni'ma d'Allah que tu habites en France. Ya Rabbi, laka alhamdu wa shukr.
Très bien. Nous sommes mariés depuis plus de 6 ans et nous avons une fille de 5 ans. Alhamdulillah, qu'Allah la guide. Qu'Allah change le monde par son action. Qu'Allah mette en elle la prunelle de vos cœurs, de vos âmes et de vos yeux. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Dit Amin. Mon épouse a grandi en Espagne et ses parents habitent toujours là-bas. Très bien. Pour parler des problèmes, ah, tout a commencé au début. Bah oui. Malheureusement. Tu ne déroges pas la règle, c'est la règle, comme je le dis à chaque fois. J'ai déjà marié des gens, au bout de 2, 3 jours, les problèmes ont commencé. Les belles familles et les familles qui prennent comme champ de bataille le mari et la mariée. Ils se battent, ils se combattent, ils font le jihad, offensif et défensif, malheureusement, et dans le terrain, dans le champ de bataille qui s'appelle le couple, malheureusement. Quand ce n'est pas le couple qui se déchire lui-même. Pour parler des problèmes, tout a commencé au début, malheureusement. Si tu veux plus de détails, je t'en donnerai par téléphone. Mais pour résumer, mon épouse a subi beaucoup d'injustices et de méchanceté de la part de moi. Au moins, il le reconnaît. L'i'tirafu bil-khata'i fadilatun. L'i'tirafu bil-haqqi fadila. Le fait de reconnaître haqq, le fait de reconnaître que tu as commis une faute, ou des fautes, ou des erreurs, c'est une très très grande qualité. Alhamdulillah. Donc il a reconnu qu'elle a commis des injustices, lui et sa famille, contre son épouse. Donc, beaucoup d'injustices, de méchanceté de la part de moi et de ma famille, les premières années de notre mariage. Je regrette sincèrement ce que j'ai fait et surtout ce que j'ai laissé faire. Donc tu demanderas à ton épouse d'écouter ce message et je ne vois pas quelqu'un qui se présente comme musulman et qui n'accepte pas les excuses sincères. Normalement ta page, à ce moment-là de la lecture, à ce moment du rappel, à ce moment de ta demande, elle doit se dire, il s'excuse sincèrement. Il regrette ce qu'il a fait. Lui, je lui pardonne. Et après, on verra pour la belle famille, Inch'Allah. Et pardonner, c'est pardonner. Attention, je ne dis pas, je te pardonne. Et à chaque fois, je te ressors la même histoire. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est pas le pardon. Le pardon, c'est une libéralisation. D'accord? Tu te libères de la haine, du ressenti, des ressentiments, des mauvaises pensées, des choses... C'est bon, tu tournes la page. Très bien. Et ce n'est pas donné à n'importe qui, attention. La faculté de pardonner n'est pas donnée à n'importe qui, attention. C'est une denrée rare. Ce n'est pas n'importe qui la mérite. Cette capacité, cette faculté, cette aptitude de pardonner. Aujourd'hui, les choses se sont beaucoup calmées. Ya Rabbi lak alhamdu wa shukr. Allahu Akbar. Mais il y a toujours des petites phrases et des actions de la part de ma famille qui rappellent les très mauvais souvenirs et ma femme ne le supporte plus. Et l'on est même tombé malade et nous cherchons la guérison depuis beaucoup de temps. Qu'Allah vous facilite. Si tu es en Île-de-France, je viendrai, inshallah, avec plaisir. Je ferai un petit rappel à ton épouse, à toi-même, à moi-même et nous allons guérir ensemble. Inshallah. Et nous allons tous pardonner, Inch'Allah. Très bien. Qu'Allah vous accorde la guérison de l'âme et du cœur. Maintenant, le fait d'avoir souffert et d'être malade lui a fait naître un sentiment de haine profonde que je n'arrive pas à calmer. À mon égard, il y a des jours où l'amour revient et d'autres où la haine prend le dessus. Donc, faire le mal est très facile. Détruire est très facile. Reconstruire n'est pas simple. Donc il faudra, Inch'Allah, que tu comprennes, que tu apprennes, et je pense que tu le sais, que si tu as passé un certain temps à être injuste envers ton épouse, il y a des gens qui pardonnent facilement, il y a des gens qui gomment tout ça facilement, il y a d'autres qui ont besoin d'un certain temps. Donc le temps fera son œuvre, comme j'aime bien dire. D'accord? Donc, isbir, wasabir, Allah yjazik.
Maintenant, à l'épouse, elle aussi, de saisir ce regret, ces remords, cette demande de pardon de ton mari, pour avancer et faire avancer, Inch'Allah. Et pour s'apaiser et pour l'aider à s'apaiser. Moi, dans le couple, personnellement, je ne vois que l'amour. Et je ne peux pas concevoir autre chose que l'amour. La tendresse, la miséricorde, la sakina, la rahma, comme dit le fameux verset. On ne le dira jamais assez. Min ayati, an khalaqa lakum min anfusikum azwaj. Parmi ces signes, c'est qu'elle a créé de vous pour vous. Qu'elle a créé. Parmi ces signes, attention, les grands miracles d'Allah. Dans Surat al-Rum, où il a parlé des signes de la création. Et à un moment donné, il parle de ce signe-là, de ce miracle d'Allah. Une femme que tu n'as jamais rencontrée, que tu n'as jamais vue. Tu fais une bonne niya, tu te maries avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Mawad, sakina, apaisement à l'infini. Mawad, amour à l'infini. Rahma, miséricorde à l'infini. Je ne vois pas, moi, autre chose dans le couple que ça. Si dans un couple, il y a un des trois qui manque, c'est un couple d'enfer. Maintenant, imagine les couples où les trois manquent. C'est pire que l'enfer terrestre. D'accord? Donc, le fruit du mariage, c'est ça. Les causes du mariage, c'est ça. Les conséquences du mariage, c'est ça. Sakina à l'infini. Mawadda, amour à l'infini. Rahma, à l'infini. J'aime toujours rappeler qu'il n'a pas dit mahabba. Il n'a pas dit hub. Il a dit mawadda. Il a tiré de son nom à lui, el mawadda. Il a installé ce nom qui est tiré de son nom à lui. Al-Wadoudou, c'est celui qui se rapproche de toi, qui t'aime à l'infini, en continu, en renouvelable, quoi que tu fasses. Had al-Mawadda. Had al-Wadoud, Allah. Imagine, quoi que tu fasses, Allah t'aime. Tu peux l'oublier, tu peux être indifférent, tu peux commettre des fautes, tu peux commettre des erreurs. Ce qui n'aime pas, c'est le kufr. Mais, musulman, tu dis, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, tu as une infinité de péchés, tu l'oublies, mais il t'aime, il te renouvelle son amour en continu, en renouvelable. Donc c'est ça, c'est cette notion-là qui doit exister entre eux. Maintenant, ma femme commet une faute, je la déteste. Ma femme ne respecte pas l'engagement qu'on a eu ensemble ou qu'elle a eu envers moi, et c'est bon. Là, amour renouvelable, quoi qu'il arrive. Al-Mawadda, c'est ça. Donc remettez-vous en question tous les deux. Maintenant, le fait d'avoir souffert et d'être malade lui a fait naître un sentiment de haine profonde que je n'arrive pas à calmer. Pardon, la haine profonde. Tu es esclave, ma sœur, de cette haine. Tu n'es toujours pas esclave d'Allah. Tu n'es toujours pas serviteuse d'Allah. Tu es esclave de la haine. قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Qui parle? Isa, Jésus, qui venait de naître. Il s'est défini comme quoi? Regarde, si je te dis comment tu te définis, je m'appelle Mustapha. C'est mes parents qui ont choisi les prénoms, mon prénom, donc on s'en fout de ça. Je suis bédouin. Allah a voulu que je naisse dans une vie de désert. Ok. Je suis ingénieur. On s'en fout, ce n'est qu'un petit bout de papier qui ne veut rien dire. Je suis quoi? J'ai beaucoup d'argent dans le compte bancaire. C'est pas le cas. Il y a des gens qui se définissent par ça. J'ai telle compétence, mais on s'en fout. Tout ça, c'est, tu n'es rien. Tu n'as pas choisi ça, toi. Ça a été choisi pour toi. Tout ça, c'est le destin, c'est Allah qui a choisi ça pour toi. Donc, qu'est-ce que tu es, finalement? Si tu veux te définir, tu dis quoi? Je dis quoi? Je n'ai pas encore vu une définition meilleure que celle-là. Et je n'ai pas vu une libéralisation, un affranchissement meilleur que celui-là. قال إني عبد الله. Un bébé qui venait de naître dit, je suis le serviteur d'Allah.
je suis l'esclave d'Allah. Esclave, oh là là, mauvaise traduction, Mustafa. Ah non, non, je préfère dire même pire, esclave. Dans cet esclavage, il y a la liberté infinie. Il y a vraiment la libéralisation infinie, ultime, d'être l'esclave d'Allah, le serviteur d'Allah. Donc ma soeur, tu es enchaîné par la haine. Donc tu es esclave de l'orgueil, du ressentiment. Oui, mon salat, oui, quelqu'un a été injuste. Et alors, dans un moment de faiblesse, dans un moment d'insouciance, dans un moment d'oubli, quelqu'un a commis une injustice contre moi. La pire des injustices. Et je le dis à tous ceux qui m'entendent et tous ceux qui m'écoutent et qui ont commis des injustices contre moi ou qui ont pensé que j'ai commis des injustices contre eux. Je te pardonne et pardonne-moi. Avançons, il ne faut pas être esclave de la haine et de l'orgueil et du ressentiment. Pas bon, pas bon, mauvais, mauvais, mauvais. Et tu seras malheureux en plus. Quand tu es esclave de ça, tu seras malheureux. Tu ne pourras pas te libérer. Tu ne pourras pas t'apaiser parce que tu es enchaîné. À mon égard, il y a eu des jours où l'amour revient, alhamdoulilah, et d'autres où la haine prend le dessus. Un couple, lui, a la haine. Moi, personnellement, marié depuis l'âge de 21 ans, alhamdoulilah, je n'ai pas connu ça dans mes couples, quel qu'il soit. Je ne conçois pas ça. Il faut se séparer avec quelqu'un. Ça peut arriver, il faut divorcer avec quelqu'un. Mais alhamdoulilah, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant, il n'y a que la mawadda, la sakina, la rahma. La haine dans un couple, c'est vrai que j'arrive pas à concevoir ça. Frère, à mon égard, il y a des jours où l'amour très bien, ok. Le dernier événement en date est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour elle. Mes parents sont revenus du Maroc en voiture et se sont reposés de nuit chez de la famille qui habite très proche de mes beaux-parents. Cependant, ils ne sont pas allés leur rendre visite, ok. C'est la deuxième fois que ça se produit et cela a blessé mon épouse et ma belle famille. J'ai demandé la raison à mes parents et ils m'ont dit qu'ils manquaient de temps et qu'ils ne voulaient pas passer seulement quelques minutes car ça ne se faisait pas. Ils jurent par Allah n'avoir aucun problème avec mes beaux-parents et avec mon épouse. Mes beaux-parents et mon épouse ne croient pas à ce prétexte. Donc tes beaux-parents et ton épouse n'ont rien vu, n'ont rien compris. Voilà, mauvais. Voilà, qu'est-ce que je dise de plus? C'est mauvais. Quelqu'un qui dit une chose, je ne peux pas entrer dans son cœur et sa nigga. Tes parents disent que ils ont manqué de temps, c'est bon, très bien. Il fait mes larmes que ça fait une autre fois il l'entend, il fait le monastique. Il ouvre cette belle règle. Ce n'est pas un hadith, mais ça fait partie du cœur de l'islam. Il n'a pas dans ton ism. Le mauvais soupçon, une partie du mauvais soupçon et ism, quelque chose de blâmable. Ils ont répondu qu'ils n'ont pas eu le temps, qu'ils n'ont pas pu, point. Ta femme doit les croire et les beaux-parents doivent les croire. Là, il n'y a pas une réponse que tu peux trouver dans un livre. Non, non, c'est le comportement humain, le comportement musulman devant une problématique. Quelqu'un qui me dit « je n'ai pas ». Allah, ils sont même m'énervés. Ils ne sont jamais cherchés le problème là où il n'y a pas. Quelqu'un a pu venir me rendre visite. Ya marhaban. Ya marhaban. Je me mets à terre et je lui demande de marcher sur moi. Ya daifana, in zurtana, la wajadtana, nahnu duyufu, wa anta rabbul manzili. Oh notre visiteur, si tu viens nous rendre visite, tu nous trouveras, nous, les duyuf, nous les invités, et tu trouveras que tu es le propriétaire de la maison. Non, mais générosité totale avec. Mais la personne n'a pas pu. Les beaux-parents n'ont pas pu. Je ne vais même pas chercher à comprendre. Ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu. Maintenant, ils disent et ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas pu. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que ils n'ont pas pu. Et je dis, moi, non, je ne les crois pas. Donc là, il y a un problème, malheureusement, il y a un problème. Au niveau du comportement de le musulman, il y a un problème. Husnul dhann bin nas est une règle. On peut parfois attaquer des manières
de comportemental chez nos amis musulmans. Oui, l'idée c'est s'élever avec et les aider à se remettre en question. Mais prendre une personne et voir le mal en lui, non. Prendre une personne, et puisqu'il n'a pas l'habitude de mentir, et qu'il n'a pas l'habitude de trahir, et je dis non, elle ment, non, là. Là, c'est un problème comportemental de ton épouse qui va devoir se remettre en cause, parce que, imagine, elle se trouve devant Allah demain, et Allah lui dit, ben, ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas pu. Et toi, tu as dit qu'ils mentent, alors qu'ils ont juré par Allah en plus. Je déconseille de jurer pour Allah, pour tout et n'importe quoi, attention. Mes beaux-parents et mon épouse ne croient pas en ce prétexte à tort ou à raison, et ils veulent couper, il n'y a pas à raison, c'est à tort et à tort. Ils veulent couper tout lien avec mes parents pour rester tranquille. Donc c'est quelque chose qui est à la base bonne. Donc ils ont voulu que leurs beaux-parents viennent leur rendre visite, c'est une bonne chose. Et finalement, cette bonne chose est la cause d'une coupure définitive de lien de parenté. Agis. Voyez comment on réfléchit à l'envers, comment on se présente comme des musulmans à l'envers, comment on n'a rien vu et on n'a rien compris. Donc, ils assumeront devant Allah subhanahu wa ta'ala. On peut ne plus se rencontrer, on peut ne plus pouvoir se rencontrer à cause des problématiques de la vie. Oui, chacun de nous vit une vie difficile, lourde. Il n'y a plus la baraka dans notre temps. Et on ne peut plus rendre visite à toutes nos familles. Mais au moins, on ne décide jamais de dire « Je coupe le lien avec un tel ou un tel ou un tel, quel qu'il soit. » « Man qata'aha, qata'atou. » Allah parle. Celui qui coupe le lien de parenté, je le coupe. Imagine si tu es coupé par Allah lui-même. Ils veulent couper tout lien avec mes parents pour rester tranquille. Ils appuient leur décision sur le fait que ce n'est pas la première fois que ça se produit et sur leur lourd passé qu'il y a eu. Le lourd passé, il y a eu des injustices, il y a eu des médisances, il y a eu des haines réciproques, il y a eu des mauvais comportements qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui font partie de l'orgueil, de shaitan, de mauvais penchants, des âmes maléfiques. Naam, il y a des âmes maléfiques qui aiment le mal. Maintenant, il paraît que des deux côtés, il y a eu repentance. Mais des deux côtés, les gens gardent des séquelles malheureux, minables, bas, indignes. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Maintenant, je me retrouve dans une situation chaotique où tout le monde se déteste. Encore une fois, je vais vous le dire, tu n'es pas l'exception et tu ne déroges pas la règle. C'est comme ça. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Il faut une nouvelle éducation, une rééducation. Voilà. Celui qui l'a, il est éduqué, islamiquement parlant. Celui qui ne l'a pas, il n'est pas du tout éduqué. Il a besoin de se rééduquer. Cette faculté d'aller vers l'autre, de pardonner à l'autre, d'aimer l'autre, de supporter l'autre, tout ça, ça fait partie du cœur, du comportement du musulman. C'est l'âme de cette religion. Et oui, c'est ça, la mue qui s'opère quand tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ». Tu es un silm pour les musulmans et les non-musulmans. Et tu es une guerre pour ceux qui veulent vraiment être les ennemis d'Allah. Ceux qui te déclarent la guerre, tu ne veux pas être un silm pour eux. D'accord? Si c'est une guerre intellectuelle, bah tu leur lanceras une guerre intellectuelle en respectant la justice divine. Mais si tu lances n'importe quel type de guerre, tu vas devoir répondre. D'accord? Toujours en respectant la justice divine. Mais l'écrasante majorité des musulmans, bah, tu dois te comporter excellemment bien avec eux. L'écrasante majorité des non-musulmans, bah, tu vas devoir te comporter excellemment bien avec eux. Et plus tu chemines vers une vraie proximité avec Allah, plus tu deviens paix. Plus tu deviens lumière pour les autres. Plus tu deviens un apaisement pour les autres.
Mon opinion est qu'il y a un énorme malentendu depuis le début. Non, des haines depuis le début. Et qu'il y a un bon fond chez tout le monde. Alhamdulillah. Ya Rabbi laka alhamdou, je te crois. Maintenant, c'est l'occasion pour faire apparaître ce bon fond. Et c'est toujours celui qui va le premier vers l'autre pour se réconcilier. Qui obtient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la gratitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méfiez-vous de cette décision de dire « je coupe tout contact ». Méfiez-vous de la prétention de se croire musulman alors que tu n'es rien, islamiquement parlant. Oh non ! Parce que c'est donc ton comportement qu'on voit ton islamité. Mon opinion est qu'il y a un énorme malentendu depuis le début, qu'il y a un bon fond chez tout le monde. Malheureusement, les mauvaises actions des premières années ne veulent pas s'effacer. Nous avons encore l'étiquette des méchants. Voici mon numéro de téléphone, si tu peux me contacter. Donc j'ai préféré d'abord faire un rappel qui te profitera peut-être, moi il m'a profité, qui profitera peut-être à ton épouse. Et si tu as besoin d'un appel téléphonique, je t'appellerai avec plaisir, Inch'Allah. À toi de me donner juste tes disponibilités, jour et horaire, et je t'appellerai avec plaisir, Inch'Allah. Si tu habites en Île-de-France, je viendrai vous rendre visite avec plaisir pour essayer de vous apaiser et de m'apaiser avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.